Allez, c'est parti. Stop. Tu vas rien. Tu vas où? Ok. Oh putain. Oh mais gros, t'es trop bourré, tu fais n'importe quoi. C'est la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut Shape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui la Team Shape, je vais faire un tour de circuit en voiture. Le but du jeu sera de faire le circuit une première fois sobre, en respectant les limites de vitesse, les panneaux, etc. Et de faire le circuit une deuxième fois en étant un peu plus alcoolisé, à peu près 0,5 g de litre d'alcool dans sang. Et bien sûr le but sera d'éviter les obstacles et de toucher un minimum de plots. Et nous verrons ainsi la différence entre un conducteur qui est sobre et un conducteur qui est alcoolisé. Vous êtes prêts? C'est parti! Mais avant de commencer, j'ai besoin de votre attention. Pour cette vidéo, j'ai collaboré avec Igral qui m'a permis d'aller sur le circuit d'Albi. Igral, alors qu'est-ce que c'est? C'est un site et une application qui s'installe sur votre navigateur et qui va permettre de rembourser une partie de vos achats que vous faites sur internet. En gros, ça va vous aider à faire des économies. Igral fonctionne avec plus de 1700 sites. Je vous donne un exemple concret. Première étape, téléchargez Igral. Ensuite, rendez-vous par exemple sur le site Groupon. Là, l'icône détecte que ce site est partenaire avec Igral. Vous avez juste à cliquer sur activer le cashback et voilà. Maintenant, à chaque fois que vous ferez un achat sur un site partenaire, vous cumulerez des gains dans votre cagnotte Igral. Et ça fonctionne parce que Igral touche une commission des sites partenaires. Et quand vous aurez atteint 20 euros dans votre cagnotte, vous pourrez vous faire un virement bancaire, PayPal ou même un chèque cadeau. Elle est pas belle la vie. Et attention, si vous vous inscrivez en cliquant sur le lien qui est dans la description, vous aurez 10 euros offerts dans votre cagnotte au lieu de 3 euros. Et seulement aujourd'hui, vous aurez 20% de cashback sur le site Groupon. Si c'est pas un bon plan énorme et sexe, ça. Maintenant, place à la vidéo, c'est parti. Ok, Team Shape, c'est parti. Présentation du circuit. La voiture va décoller de là. Une ligne droite, petit virage et un stop qu'il ne faudra pas louper et il faudra s'arrêter. Ici, nous sommes dans un carrefour et non pas un Leclerc. C'était nul. Okay. T'es déjà bourré? J'ai déjà bourré. Ici, attention, on arrive sur un zigzag. Donc ça veut dire que le virage va être très serré. Juste après ce zigzag, nous aurons deux murs qui sont très 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 rapprochés. La voiture passe à peine. Après l'obstacle, on arrive sur un rond-point qu'il faudra bien sûr prendre dans le bon sens, c'est-à-dire à droite. Mais bon, pour le prendre à gauche, le rond-point, il faudra vraiment être bourré quand même. Maintenant, exercice dans l'impasse. Nous devrons rentrer la voiture dedans et faire une marche arrière. Pendant ce circuit, il y aura aussi quelques petites surprises. Ensuite ici, une grande ligne droite à 50 km/h. Ici on aura un dodan et nous finirons le circuit par ce magnifique créneau qu'il faudra réussir correctement. Voilà la présentation du circuit. Maintenant place à la conduite, c'est parti. T'as ton permis depuis combien de temps Thibaut? 10 ans. 10 ans? Oh, ça fait vieux de dire ça. Ah ouais, tu vas maîtriser le truc ou quoi? Franchement, ça va être chaud. Et j'aurai avec moi la Team Shape, mon copilote préféré, ma petite Juju, que je vais essayer de ne pas faire paniquer. T'as confiance? Ouais, sobre, ça va. Bourré, je le sens un peu moins bizarrement. Mais non, déjà que c'est compliqué dans la vie de tous les jours, alors là, sur un circuit, c'est encore pire. On c'est parti. On est parce qu'on n'est jamais trop prudent. Hein. Comment je monte ta vitre ici? Oh putain, ça démarre mal. Faut que tu mettes le contact. Ah ouais. Merci. Je suis accrochée à ma ceinture. Il y a déjà la première, ne passe pas. Ah oui, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Comme j'ai une boîte auto chez moi. J'avais le frein à main, mais tu fais n'importe quoi. C'est bon. Oh là là, mais c'est un sketch, hein. Allez, c'est parti. Allez, faut que ça file. Allez, accélère, décélère pas. Allez, voilà. Oh putain, un obstacle. Ok, un obstacle. Oh là là. Bibou, bravo. Allez, c'est parti. Ok, un stop. Allez, hop, un stop, on s'arrête. On marque. Non, tu t'arrêtes. Bien joué. C'est bon, 3 secondes, ok, on enchaîne. Okay. Allez. Donc à gauche, sans interdit, on n'y va pas. À droite, impasse, on n'y va pas non plus. Le zigzag. Oh, il est chaud. Vite, c'est bon, vite. C'est bon. Tourne de l'autre côté, ok. Voilà, le mur, allez, ça passe. Allez, accélère là. Allez, ok. Bien joué, ça, le mur passé. C'est bon, ok. Ok, le voilà, rond-point. Le rond-point, c'est parti. Le petit rond-point. Okay. Tac, à droite. Alors attends, hop, voilà, attends, marche arrière, c'était une impasse. La marche arrière. On teste la marche arrière comme ça. Ah, il est fier de lui, là, je le vois sur son visage. C'est parti. Ah, voilà. Wouh. Slalom. Ok, pilote. Oh, le pilote, il va pas très vite, hein. Oh là, oh putain, un obstacle. Bon. Ils sont tarés à côté. Ok, là, c'est parti, là. Allez, c'est parti, dodan. Oh là là, mais c'est quoi? Oh putain! Il a éclaté le dodan! T'es le créneau! Oh, le créneau! Braque à fond! Ok! Voilà, et la main, je braque dans l'autre sens! Ok! Ok, on est une équipe! Allez! Oh, il y a un truc derrière! Mais non! Il y a un panneau là! Mais non! C'est quoi qui coince? Mais un plomb! Ah, d'accord! Oh là là, c'est Juju! Mais je le vois pas!
Yes! Alors, c'était comment? Pas mal. C'était sportif un peu ou pas? T'as été impressionné? Ah bah là, les 30 km/h, on pick. Validé, un pouce bleu! Eh, ça allait ou pas? Franchement, pas mal, hein. On a fait tomber combien de plots? Un seul que celui-là. Allez, maintenant on va faire la fête et on revient. L'alcool est l'une des premières causes de mortalité sur la route. En 2017, il y a eu plus de 1000 personnes qui ont été tuées à cause de l'alcool au volant. En gros, ça veut dire que chaque jour, il y a plus de 3 personnes qui meurent sur la route à cause de l'alcool. Ok, la Team Shape, c'est parti. Ça va faire 5 ans que j'ai pas bu d'alcool. Tu bois une petite coupe de champagne. Ah non, même pas. Toi, tu bois du champagne. Moi, je suis pas trop fan de champagne. Ouais, non, mais j'avoue, super quoi. Pour nos 2 ans, le mec, on avait des coupes de champagne. Il a trempé ses lèvres et je me suis tapé les 2 coupes toutes seules. J'aime pas l'alcool. Super. J'ai fêté nos 2 ans solo quoi. Pour cette vidéo, j'ai acheté une bière. Attention à l'alcool avec modération, bien sûr. 5,9%. J'ai pris de la vodka, voilà. Du Bordeaux rosé. Donc, on va goûter ça déjà. Ah, rien que l'odeur, j'aime pas. Attention, ça a quel goût ça? Waouh, soirée étudiante là. Ensuite, vodka Red Bull. Classique des boîtes de nuit où ils te mettaient ça de vodka et un verre entier pas, là. De Red Bull. Est-ce qu'il y en a beaucoup là? Stop. Mais tu sais, bien oui. Ah ouais, t'as mis plus de la moitié du verre. Oh là là, mais c'est pour désinfecter ça. Donc, je prends un peu de Red Bull. Si t'as des blessures, tu mets ça dessus direct. Je suis sûr, j'enlève mon vernis à ongles avec. Ah, mais ils ont beaucoup quand même. Ouais. Que là... C'est une première, les gens, hein. Attention. C'est pas bon. Toi, t'as mis trop de vodka. J'ai chaud là, c'est normal? Oui, c'est normal. Oui. Ah ouais, c'est. Quel enfant. Ok. Ah, on va en boîte, c'est parti. Quand nous avons 0,5 g d'alcool dans le sang, ce qui correspond à peu près à 2 verres d'alcool, on augmente nos chances d'avoir un accident par 2. Et si nous sommes à 1,2 g d'alcool dans le sang, ce qui correspond à peu près à 5 verres et plus, on augmente nos chances d'avoir un accident de la route par 35. C'est énorme, c'est ouf. Et on va goûter ensuite un petit rosé. Ah, ça sent bon. Ouais, ça sent meilleur ça? Ah, c'est pas bon. Le rosé, c'est un peu le vin. Le vin fin de soirée, c'est... tu vois. Ouais. C'est histoire de se mettre une cuite pour pas trop cher, quoi. Allez, maintenant tu finis tes verres le plus vite possible et on va conduire. Églou, allez, églou, allez, églou, allez, chat, 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 chat. Ok, t'es belle. Au secours. Pardon. Vous avez une serpillière. Ok, la Team Shape, c'est parti. Allez, touche, touche. Ok, donc je vous cache pas que j'ai un petit peu chaud, mais pour accentuer la chose, je vais mettre des lunettes d'alcoolémie. C'est des lunettes qui miment ma vue comme si j'avais 0,5 g d'alcool dans le sang. Waouh, oh, c'est chaud, ça va être très chaud de conduire là. On dirait un casque de réalité virtuelle. Non mais là c'est comme si t'étais à 3 grammes gros là. Là c'est la vue qu'on a quand on est bien sous. Et il y a des mecs qui conduisent avec ça. Sachez que la majorité des accidents mortels ont lieu la nuit et le week-end. Le week-end, 2 accidents mortels sur 3 sont à cause de l'alcool. Ces accidents sont causés en majorité par des hommes entre 18 et 35 ans. Allez, la Team Chase, c'est parti. Là, ça va être chaud. Sans vous cacher, là, j'ai un petit peu chaud. Je crois que j'ai des sentiments à ton égard. Super, le mec, heureusement qu'au bout de 2 ans et demi, bientôt 3, il me dit ça quand même. Hein. Il aura fallu attendre qu'il soit bourré, quoi. Est-ce que je t'ai dit que je t'aimais? Oh, mon Ah, c'est parce que je suis bourré, ça. Allez, c'est parti. Pouce bleu. Moi, j'ai le manteau qui pue le vodka Red Bull. Attends, fais voir tes yeux. Oh, cette tête, là, là. Oh putain, je suis défoncé. Et c'est chaud. Là, on va rigoler là. Attends, serre à droite, à gauche. À gauche, à gauche. Ok, là comme ça. Ok, pas trop, pas trop, pas trop. Ça va, il a esquivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le stop. Stop, stop, stop. Ah putain, il était là le stop, je l'ai pas vu. Attends, le plan. Oh putain. Aïe, 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 aïe. Oh, oui, sous la voiture. Attends, fais-moi juste éviter les panneaux parce que ça va taper sec sinon. Non mais où il va? Attention le poteau. Et un deuxième. Oh putain, oh putain. Et je vois que dalle. Il a tout cassé. Et je sais pas comment ils font les mecs pour rentrer bourré comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? T'as pris un plot là. Oh là là. On se ressaisit un peu. Putain, il est comme ça le mur, il est comme as. Les rétros. Ok. Oh putain. Il est passé, il est passé. Là t'as un rond-point. Faut que t'essayes d'aller un petit peu vers la droite. Alors attends, il est où le début du rond-point? Là, là. Je suis où là? T'es dans les plots. Les plots, les plots. Oh. Ça avance pas. Mais tu grimpes sur les plots. Oh mais gros, t'es trop bourré, tu fais n'importe quoi. Tu vois rien. Il y a des plots devant toi, il y en a 3 gros, tu vas péter la voiture. Ah ouais. Mais il va où? Tu vas où? Il prend le rond-point à l'inverse ce gag. Non mais personne doit un rond-point à l'envers, mais c'est bon, le principal c'est qu'on arrive. Super, et donc s'il y a une voiture qui arrive en face, tu fais quoi le jour où ça arrive? Attends, 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 bouge pas, bouge pas. Heureusement que tu bois pas dans la vraie vie, hein. J'ai envie de vomir, je peux te vomir dessus? Non. Allez, c'est parti. Stop. Stop.
Concrètement, l'alcool au volant, qu'est-ce que ça va faire? Dans un premier temps, ça va ralentir notre cerveau. Ça va aussi modifier notre perception des risques. Par exemple, notre vitesse ou notre distance. Ça va aussi modifier notre temps de réaction. Par exemple, si quelqu'un traverse un passage piéton et qu'il faut freiner, on va être plus lent pour réagir sous l'emprise de l'alcool. L'alcool va aussi troubler notre vision. Par exemple, s'il y a un caillou sur la route qu'il faut éviter, eh bien on le verra peut-être moins facilement. L'alcool va aussi augmenter notre agressivité. On sera beaucoup moins patient sur la route. Et malheureusement, ça augmente aussi notre somnolence. Ça veut dire que sur des longues routes de nuit, eh bien on peut s'endormir au volant. Et je vois rien du tout, en vrai, c'est tellement dur. Faut être à 50, tu suis à combien là? À 10. Putain, tu m'étonnes que les mecs en voiture bourrissent, tu. Vas-y. Oh putain. Oh putain. Ok. Le plot. Il y avait un plot. C'est bon, on est garé? Non, t'es pas garé, frérot là. Donc là, faut que je me gare. Attends, Thibaut. Ouais. C'est bon, t'es garé? Eh, c'est bon, on est garé. Non, mais c'est le pire créneau qui existe. Et voilà. Franchement, est-ce qu'il y a une différence entre sobre et bourré? Un peu. T'as failli péter le pare-choc. Non. On va pouvoir analyser tout ça et avoir une conclusion. On passe à la suite. Le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous sensibiliser à tous les risques que peut avoir l'alcool au volant. Donc s'il vous plaît, si vous buvez de l'alcool en soirée, restez devant mes vidéos sur YouTube. Ou alors demandez à un Sam, ou mieux, faites comme moi, ne buvez pas d'alcool. Et merci encore à Igral pour cette collaboration. Cliquez sur le lien dans la description pour télécharger Igral et avoir les 10€ offerts dans la cagnotte. Maintenant la Team Shape, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste là, 2 vidéos par semaine, et regardez une autre vidéo en cliquant ici. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Bah